Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cosmetany. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cadeau de Noël. Donc, c'est pas pour me vanter, hein, non, c'est juste pour vous faire partager la joie que j'ai eue d'être gâtée par Papa Noël. Alors, on va commencer par le cadeau de ma fille. Voilà. Qui m'a offert un notebook avec plein de petites choses pour le scrap. Donc dedans, nous avons des petits autocollants. Plein de petits autocollants. Bien sûr, le notebook. Voilà. Où je vais pouvoir enfin répertorier tout ce que je dois faire et tout ce dont j'ai besoin, qui va bien m'être utile parce qu'il m'en fallait un. Vu que je n'ai pas de mémoire et que je n'ai pas de tête, tout sera là-dedans. Avec, il y avait un pochoir. Je vous le mets dans le bon sens quand même, hein, c'est plus intéressant. Avec des flèches, des banderoles, plein de petites choses pour mettre des sentiments, pour faire des... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a également des petits dies sentiments, voilà. Un tampon. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'on peut faire avec. De toute façon, je vous ferai une vidéo démo de tout ce que je vais faire avec. Et un encreur. Je n'ai pas encore tout déballé. Hein, parce que... Ah voilà, le cadeau de ma fille. Super contente. Elle m'a dit, c'est génial, maintenant que tu as une passion, je sais quoi t'offrir. Parce qu'avant, elle était toujours en galère, la pauvre. Mais je suis trop contente. Ça me fait super plaisir qu'elle ait pensé à moi pour ça. Je suis trop contente. Merci ma chérie, tu m'as bien gâtée. Je suis très contente. Alors, ensuite, je le remballerai plus tard, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Ensuite, de la part de mon mari, j'ai eu un grand coffret de crayons. Zid, vous avez l'air flair avec là. Si j'éteins la lumière, ouais, ce sera peut-être mieux. Donc, dedans, on a des crayons aquarellables. On a des crayons à croquis. Des crayons de couleur. Des crayons de couleur métalliques. Et des crayons fusains. Regardez ça. C'est pareil. Je ferai une vidéo de ce que je fais avec. Tout le monde a pensé à mon scrap. C'est génial. Je les adore. Toujours de mon mari, j'ai eu la planche de Wear Memory Keep. Alors, la super planche à tout faire. Donc, découpe, trouilloteuse pour faire des bannières. Je vais pouvoir faire des pompons, des nœuds. Des... je ne sais plus comment ça s'appelle une fois de plus, mais... Oh, ma mémoire, si vous savez, mon vocabulaire qui me manque, comme c'est terrible. Ben voilà quoi, allez, je vous la mets dans ce sens-là, que vous voyez le truc complet. C'est pareil, je ferai une vidéo de tout ce qu'on peut faire avec le jour de mon mari. Attention, je déballe. J'ai eu, regardez ça, des petits embellissements en bois avec des petits cœurs et des ailes. C'est trop mignon. Voilà. Il m'a offert également des embellissements boutons étoiles en feutrine autocollante. Des plumes, des grises et des marrons. Elles sont super belles. Voilà. Oh là là, désolé pour la qualité de la vidéo. C'est vraiment pourri. Encore un lot de boutons feutrine embellissement autocollant. Voilà.
des petites fleurs. J'essaye de vous montrer un peu tout ce qu'il y a dedans. Plein de petits embellissements comme ça. C'est plein de petites fleurs de toutes les couleurs. Regardez, des petites bulles en mousse. Ah, j'ai été gâtée. Hein. Ils sont contents parce que maintenant que j'ai trouvé une occupation. Et ça, alors, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Des petites horloges en bois. Elles sont trop, trop belles. Donc, je vous ferai vraiment une vidéo avec tout ce que je peux faire, avec tous mes jolis cadeaux. Je suis super contente. Ah, et un lot de rubans. Voilà de la part de mon mari. Ma maman m'a donné un peu de sous pour que je m'achète ce que je veux parce que elle sait pas trop quoi choisir et je la comprends hein, parce que le scrap c'est pas son truc. Donc avec le cadeau, l'argent de ma maman, je me suis acheté la mini imprimante. J'essaie l'imprimante Canon. Donc, elle peut imprimer des photos en 10-15. C'est la Selfie CP1300. J'ai oublié de vous préciser. Canon Selfie CP1300. Donc, avec ça, ben, je peux imprimer des photos en 10-15, en plus petit format, en photo d'identité. Bon, bien sûr, il faut changer le papier. Il faut avoir le papier adapté. Mais c'est vraiment... Je suis trop contente. J'ai fait des essais... Alors, j'ai imprimé notre photo de mariage parce que j'attendais toujours de pouvoir les imprimer. Donc, voilà, avec la jolie robe que je me suis faite toute seule. J'ai appris à coudre via les vidéos YouTube. Et quand on voit les prix des robes de mariée, je ne pouvais pas me la payer. Donc, ben voilà, je l'ai fait toute seule. Je vous montre un peu les détails. Voilà. Et encore, là, on ne voit pas bien parce que c'est pas trop net. Mais voilà la jolie robe de mariée que je me suis faite, toute seule comme une grande. J'ai également imprimé la photo de Noël 2020. Alors certes, on était limité à 6 personnes. Bon, comme vous allez voir, on était 8. Mais personne n'est venu nous contrôler. On n'a pas eu d'amende, rassurez-vous. Donc là, vous avez ma maman avec sa chienne Vanille. Là, c'est moi. Avec Diva, une petite pensionnaire qu'on a jusqu'au 8 janvier pendant les vacances de ses papas et mamans. Là, on a mon chéri d'amour avec Didou, un petit carlin qu'on a depuis le mois de mars dernier et puis qu'on va avoir certainement encore longtemps parce que sa maman a des problèmes, elle ne peut pas le garder en ce moment, donc on le prend en charge. Et là, ma charmante fille avec Ruby, mon petit chien déguisé. En Père Noël. Alors bon, d'accord, on était 8, mais est-ce que les enfants comptent pour des personnes hein? Si on prend deux enfants, regardez, ces deux-là, c'est deux demi-portions. Hein? Donc ça fait une personne, et puis Vanille et Ruby, ça fait une. Allez, on va dire qu'on était 6. Donc voilà, notre petit réveillon de Noël tranquille. Mais je suis contente parce que la photo, je vais l'offrir à ma maman. La photo de mariage, ben, je vais pouvoir enfin l'encadrer. Et puis bon, j'ai voulu faire une photo d'identité. Je me suis foirée, je l'ai fait en portrait en 10-13. Mais c'est parce que je n'ai pas le bon papier. Et puis, il faut apprendre à se servir de l'imprimante. Et bien voilà pour mes cadeaux de Noël. Je suis super contente. J'ai été très, très, très gâtée. Je suis aux anges. Et bien, merci encore pour votre fidélité. Merci encore aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens. Merci de me suivre, merci d'être adorable avec moi, ça me fait beaucoup de bien. Et puis, je vous aime, je vous adore. Prenez bien soin de vous. Un Noël limité, ça vaut peut-être mieux que la maladie et ce qui peut arriver derrière. Allez, je vous embrasse, je vous adore, à bientôt.